Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Aujourd'hui, on s'attaque à YouTube et on va voir comment publier une vidéo et la partager en privé. Allez, c'est parti! L'intérêt de publier une vidéo et de la partager en privé, c'est de donner seulement un accès restreint à celle-ci et de la partager seulement avec ses amis ou avec les contacts à qui on va l'envoyer. Ainsi comme ça, vous pouvez faire un essai, laisser vos proches, vos amis, vos collaborateurs avoir un coup d'œil sur la vidéo avant de la publier officiellement et publiquement si elle convient. Pour ce faire, soit vous êtes en train de créer une nouvelle vidéo, vous attendez bien sûr la fin de son traitement, vous allez jusqu'à la dernière étape de la visibilité et ici dans l'option « Publier maintenant », vous allez pouvoir sélectionner si elle sera publique, donc tout le monde pourra la voir, si elle sera non répertoriée, donc elle sera uniquement visible par tous les utilisateurs disposant du lien de la vidéo, et sinon privée, seuls vous et les personnes que vous choisissez pourrez voir cette vidéo. Par exemple, nous on va faire non répertoriée, et là vous voyez, elle est ici, et la visibilité est non répertoriée. Donc pour pouvoir la partager, il faudra créer un lien de partage et l'envoyer via une adresse mail, un WhatsApp, un Facebook à la personne avec qui vous décidez de partager cette vidéo pour qu'il vous donne peut-être son avis ou ses recommandations. Dès que pour vous, la vidéo est prête, vous pouvez rebasculer à partir de l'onglet vidéo qui se trouve dans votre Creator Studio. Vous pouvez passer en public ou si besoin en privé. Seuls les administrateurs de la chaîne pourront voir la vidéo. Ainsi, si vous êtes plusieurs sur la chaîne, vous pourrez décider ensemble de la publier ou non. Même chose, si vous avez une vidéo publiée et que vous voulez la retirer peut-être momentanément, vous pouvez la basculer en privé. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Moi, je vous donne rendez-vous sur le Labo des Réseaux pour d'autres tutos et d'autres tutos YouTube. À très bientôt.